L'origine de CyberGuru est une histoire fascinante qui mérite d'être racontée, non seulement en raison de son importance dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité, mais également en raison des valeurs et des objectifs qu'elle a poursuivis depuis le début. Tout a commencé en 2017, une période où la sécurité informatique était une préoccupation croissante pour de nombreuses entreprises. Lors d'une réunion, deux responsables de la sécurité informatique importants ont soulevé une question critique qui, à l'époque, était encore innovante. À quoi bon continuer à investir dans la protection du périmètre, si ce sont nos utilisateurs internes qui représentent le véritable point faible? Cette observation était éclairante. Malgré les investissements dans la technologie de pointe, le principal problème restait l'élément humain. Les utilisateurs continuaient à cliquer sur des emails de phishing, à introduire des malwares via des clés USB et à ne pas suivre les protocoles de sécurité. Les solutions alors existantes se sont révélées inefficaces. Les utilisateurs trouvaient ces outils ennuyeux, complexes et difficiles à gérer, entraînant une baisse inévitable de l'attention et de l'adoption. Face à ce défi, il a été décidé d'entreprendre un voyage de découverte et d'innovation. La première phase a consisté en une recherche approfondie pour trouver des solutions alternatives à celles déjà existantes. Cependant, rien n'a été trouvé qui réponde pleinement aux demandes de ses clients. Alors, nous leur avons demandé directement de nous expliquer quelles caractéristiques devait avoir une solution vraiment efficace. Les réponses étaient claires et révélatrices. Les produits devaient être engageants, faciles à utiliser et simples à gérer. Exactement le contraire de tout ce que le marché proposait. L'opportunité était immédiatement évidente et en même temps, le défi s'ouvrait devant nous, pouvoir faire une différence dans un secteur décisif pour l'avenir de toutes les organisations, privées et publiques. Avec ses lignes directrices, un projet pilote visant spécifiquement à remédier à ces lacunes a commencé à être développé. La solution a été testée dans une grande banque italienne, impliquant 16 000 utilisateurs. Le succès a été immédiat, avec un niveau d'engagement extrêmement élevé. Ce succès initial a confirmé que nous étions sur la bonne voie et c'est pourquoi nous avons décidé de lancer CyberGuru à grande échelle. CyberGuru s'est basé, depuis ses origines, sur trois piliers fondamentaux. Engagement, la plateforme et les contenus devaient être intéressants et agréables à utiliser. Il était essentiel de créer une expérience de learning que les utilisateurs non seulement trouvaient utile, mais qu'ils souhaitaient également vraiment utiliser. Des contenus dynamiques et engageants ont été développés, qui ont transformé l'apprentissage en une activité stimulante. Efficacité, les contenus devaient être très efficaces pour transférer les connaissances et promouvoir le changement de comportement. Chaque minute consacrée par les utilisateurs à la formation devait être exploitée au maximum, avec des informations concises et pratiques qui les aident à comprendre et à atténuer les risques. Gestion simplifiée, la plateforme devait être facile à gérer pour l'administrateur, afin de ne pas le distraire de sa mission critique. L'automatisation des processus de gestion et de suivi était cruciale, pour maintenir la visibilité et le contrôle sur les progrès des utilisateurs. Cela permettait d'adapter rapidement les programmes de formation aux besoins spécifiques de chaque organisation. C'est ainsi qu'est né CyberGuru Awareness, auquel se sont ajoutés au fil du temps d'autres composants clés, en premier lieu, CyberGuru Phishing. Le phishing était en effet l'une des menaces les plus courantes et les plus insidieuses, et déjà depuis lors, CyberGuru s'est distingué par sa capacité à mener des campagnes de phishing simulées qui étaient non seulement réalistes, mais également personnalisées pour différents niveaux de difficulté, en fonction de la résistance individuelle. Non pas un produit pour obtenir seulement une mesure improbable du risque de phishing, objectif typique des produits de phishing éthiques sur le marché, mais une véritable plateforme automatisée de formation, pour réduire, concrètement, ce risque. Notre objectif était d'entraîner chaque utilisateur avec des simulations personnalisées dont le degré de difficulté était en ligne avec son niveau de résilience, afin de le faire progresser au fil du temps. Tout cela grâce à l'adoption d'algorithmes d'intelligence artificielle qui permettaient d'automatiser le processus de sélection des modèles d'attaque. Cela permettait de mesurer et d'améliorer la capacité des utilisateurs à reconnaître et à répondre aux tentatives de phishing. Une autre innovation importante a été représentée par CyberGuru Channel, une composante qui offrait des contenus résolument innovants, avec une approche narrative typique des séries télévisées, capable de développer un processus d'auto-identification avec les événements des protagonistes des histoires, bien sûr axé sur les cybermenaces qui agissent sur le facteur humain. CyberGuru Awareness et CyberGuru Channel, avec leurs contenus vidéo, constamment mis à jour,
transformait l'apprentissage en un processus constant et bien distribué au fil du temps, grâce également au choix du micro-learning. Cette approche réduisait l'ennui associé aux méthodes traditionnelles de formation, augmentant ainsi l'efficacité et l'engagement. Mais un autre facteur décisif était lié à la réduction de la charge sur les personnes qui devaient organiser et gérer ces parcours, souvent des ressources clés dans le secteur de la cybersécurité. Avec des outils d'automatisation avancés, la gestion des campagnes de formation devenait simple et efficace, en veillant à ce que les efforts de formation restent cohérents et ciblés. CyberGuru n'était pas seulement un produit supplémentaire dans le scénario de sensibilisation à la sécurité, elle était également une réponse concrète aux inefficacités des solutions précédentes. Notre mission a toujours été de créer une plateforme qui non seulement éduque, mais engage et motive également les utilisateurs, en faisant de la transformation du comportement un objectif réalisable. Nous sommes de plus en plus convaincus que la sensibilisation à la sécurité doit être un processus de formation continue et constante, et non un événement isolé, et CyberGuru a été conçu pour intégrer cette philosophie dans chaque entreprise. Bien sûr, au cours de ces années, nous avons évolué de notre naissance en 2017 à aujourd'hui, et notre plateforme s'est désormais imposée comme un leader dans le secteur de la sensibilisation à la sécurité. Notre formation met l'accent sur les avantages personnels, les contenus pratiques et la gamification pour augmenter l'engagement et la résilience aux cyberattaques, en utilisant des techniques avancées de learning en ligne et des avatars humains pour favoriser la confiance et l'apprentissage actif. Comme nous avons l'habitude de le dire, l'engagement continu des utilisateurs est la clé du succès, car s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'apprentissage, et s'il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de transformation des comportements. Une efficacité maximale pour transformer le comportement des utilisateurs tout en maintenant une productivité élevée. Nos méthodologies d'apprentissage avancées intègrent la formation cognitive, inductive et expérientielle. Cela, dans le but d'améliorer les connaissances, la perception du risque et la réactivité, en garantissant un changement de comportement à long terme et une posture de sécurité plus solide, en minimisant l'impact organisationnel grâce à des sessions de micro-apprentissage réparties dans le temps, pour éviter la surcharge cognitive et maintenir la productivité. Une opération sans effort, grâce à un moteur entièrement automatisé basé sur l'intelligence artificielle et le machine learning. Notre plateforme automatise les processus de formation à la sécurité avec des modules personnalisés, des simulations et des activités de remédiation, réduisant ainsi le temps d'administration. Elle comprend des programmes complets pour le phishing, le smishing, le quishing et l'USB betting, avec une intégration rapide et sans entretien. Nos rapports sur les risques humains offrent une vue détaillée et personnalisable pour les responsables de la sécurité, tandis que notre cyberscore peut mesurer la force comportementale au niveau individuel, de l'équipe et organisationnel. Aujourd'hui, nos clients peuvent bénéficier d'une plateforme complète pour former leur personnel, en créant une prise de conscience de la sécurité, en changeant radicalement les comportements des utilisateurs finaux et en atteignant la conformité de manière efficace. Merci d'avoir écouté cette histoire. Nous espérons qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous fera voir la sensibilisation à la sécurité sous un nouveau jour.